tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. J'ai tout un panier assez rempli. Dedans, il y a de la beauté, soins, make-up. Make-up, je sais même pas, mais soins, c'est sûr. Il y a du random, de la nourriture, bref. Il y a pas mal de petites choses. Je voulais également vous prévenir que vous aurez un vlog samedi de ma semaine. Et lundi prochain, vous aurez un vlog spécial 15 ans de cérémonie, 15 ans de mariage de mes amis Coralie et Pascal. Et dedans, je vous montre plein de choses. Que ce soit ma tenue, notre préparation, la déco, etc. qu'on a pu faire pendant tous ces mois. Et j'ai trop hâte. Mais n'hésitez pas à me suivre ici sur Instagram parce que je pense que je ferai pas mal de petites stories. Donc, voilà la petite parenthèse. Bref, on passe à tout ça. J'ai terminé, je pense qu'il y en a d'autres dans le panier. Mes déodorants Vapo Vichy, franchement, je les aime beaucoup. C'est les déodorants antitranspirants. Ils évitent les traces blanches et jaunes et ça, c'est plutôt cool. Moi, c'est vraiment ceux qui marchent le plus, ceux qui m'irritent pas du tout les aisselles. Je les achète souvent soit sur le site de la parapharmacie du grand de Prado Mermoz, soit de la parapharmacie des grands dracas à Caen. Donc c'est là où je trouve les moins chers et franchement j'en suis trop contente. Et même ceux à billes, je les aime énormément. Ensuite j'ai terminé un après shampoing Palmer's à l'huile de coco. Franchement j'aime trop cet après-shampoing, j'ai beaucoup de mal, je suis désolée. Je l'ai eu pendant les promos Beauté Leclerc, ça valait vraiment le coup. Maintenant, je ne sais pas du tout combien ça coûte en réel, mais il démêle bien les cheveux et il hydrate vraiment bien. Je n'achète plus du tout de shampoing pour cheveux gras, j'ai pas du tout de cheveux gras en fait. J'ai le cheveu hyper sec et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et Palmer's, je trouve que ça a une odeur à tomber. Ensuite, j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Vichy, la pureté thermale, mousse nettoyante éclatante pour peau sensible. C'est un format pompe en mousse et franchement, ça sent trop bon. Ça nettoie super bien la peau. Depuis que j'utilise cette mousse, je n'ai eu aucun bouton. Maintenant, c'est vrai que je me suis adaptée à une routine vraiment pour ma peau qui est plutôt cool, très hydratante, nourrissante la nuit, hydratante la journée, mais quand même matifiante parce que j'ai la zone T un petit peu grasse. Mais cette mousse nettoyante, je vous la conseille, elle est vraiment pas très chère. J'en teste une autre de grande surface qui est plutôt très bien également, avec une odeur magnifique. Mais celle-ci, je vous la recommande si vous aimez bien les produits de parapharmacie pour pas très cher. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. On a terminé un gel douche, le petit Marseillais, fleur d'oranger, bio. Moi, la fleur d'oranger, c'est vraiment un parfum que j'aime énormément. On part bientôt en vacances à Marseille et je sais que je vais me ramener des bougies galéjade à la fleur d'oranger. Je trouve que ça sent tellement bon. Je sais pas. C'est une odeur qui doit me rappeler quelque chose et franchement, j'aime bien. Et le petit Marseillais était plutôt pas mal. J'en avais acheté en lot lors des promos Beauté Leclerc. Mathias a terminé un gel douche All Black Spirit. Il avait eu ça dans un coffret cadeau pour Noël par des amis. Et il sentait vraiment très bon. Il a le parfum qui va avec et le déo. Et c'était plutôt pas mal. Ensuite, il a terminé un shampoing Petrolane Pureté pour cheveux gras. Il n'a pas franchement de cheveux gras, mais il a le cuir chevelu qui peut des fois le démanger. Donc, je me dis que c'est peut-être pas terrible cheveux gras parce que ça doit assécher le truc. Mais il aime plutôt bien ce genre de shampoing. Petrolane, il aime bien les Elsev également. Donc, je pense que je lui rachèterai. Ensuite, niveau nourriture, on a goûté ça, les granolas extra fins. Le problème avec ça, c'est que vous bouffez la boîte. C'est trop bon, c'est hyper fin. Ça a le goût du granola et en même temps d'un autre gâteau. Enfin, c'est vraiment trop bon avec le café. Mais le problème, voilà. On mange en entier le paquet en une fois. Ensuite, on a terminé des glaces. Et je voulais vous les montrer, c'est les cookie cones à la vanille. Ça existe au chocolat, au caramel et... Je ne sais plus. Chocolat, caramel, vanille... Et un autre, mais je ne sais plus. Nous, on adore. C'est trop bon. Le cône, en fait, est en cookie. Et c'est délicieux. Elles sont excellentes, les glaces. La glace, en elle-même, on dirait de la crème à la vanille. Enfin, franchement, c'est délicieux. Si vous n'avez jamais goûté, testez. C'est vrai qu'elles coûtent un petit peu cher. Je crois qu'elles sont à peu près à 3-4 euros, les 4. Mais franchement, ça vaut le détour. Ensuite, j'ai terminé une bougie Clean Coton de Yankee Candle. Je les adore, franchement. Maintenant, je m'en achète une, comme je vous le dis régulièrement, je pense, par mois de chez Yankee Candle. Là, je vais aller m'en acheter une. Je vous la montrerai dans un vlog prochain
qui sent l'homme, mais celle-ci, le clean coton, ça sent super bon dans la maison, ça sent le propre. Ça sent encore malgré qu'il n'y ait plus rien dedans et ça se consomme plutôt pas mal. Vous voyez, il reste un fond, mais moi souvent je le casse et je le mets dans un brûleur de parfum. Comme ça, je fais fondre la fin de la bougie pour pas du tout en perdre. Une grande jarre comme ça, ça coûte 30 euros. Moi, je les trouve à Centre Accord chez moi. Ensuite, toujours niveau bougie, j'ai terminé deux petits sachets de fondant. Je vous l'avais montré dans la vidéo que je vous mets juste ici de Small Business TikTok à la fleur d'oranger et parfum musc. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça hyper joli. Il y a des pétales de fleurs et tout dedans. Je trouve ça très, très beau. Les packaging sont plutôt chouettes. Moi, j'avais pris des sachets de 20 grammes et franchement, pour tester, c'est vraiment cool. Ça coûte rien. Je crois que c'est 3 euros le petit sachet. Vous avez à peu près entre 5 et 6 fondants dedans. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça embaume plutôt bien. Maintenant, ça embaume, on va dire, 6 heures. Et après, vous pouvez jeter la cire. Mais je trouve que pour le prix, je trouve ça plutôt très raisonnable. Ensuite, on a terminé deux gels douche Le Petit Marseillais. Ça, c'est les promos Beauté Leclerc. Hein. De la grenade de Méditerranée bio. J'ai plutôt bien aimé. C'est pas mon odeur favorite. Je m'étais trompée. Je voulais de la pêche de vigne, je crois, au départ. Et le packaging, il ressemble énormément à la couleur. Donc, je m'étais trompée. Ça sent plutôt bon, mais je pense pas que c'est une odeur que je rachèterais. Ensuite, on a terminé chez Sanitol, c'est le désinfectant de linge. C'est vous qui me l'avez conseillé et franchement, j'aime trop. Que ce soit Sanitol ou d'autres marques, même la marque Repair, franchement, je trouve ça excellent. Ça désinfecte le linge, ça donne une odeur de propre et il en faut très très peu. Ça élimine 99,9% des bactéries, virus H1N1, Candida abicon, sans Javel. Bref, je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, on a terminé trois dentifrices. C'est les Oral-B Gencive Purify. Ce sont mes préférés. On dirait que c'est une mousse, le dentifrice. Je trouve que ça nettoie hyper bien. Ça laisse une haleine assez fraîche. Les dents, je vais pas vous dire qu'elles sont blanches, mais elles sont hyper lisses. Enfin, moi, je les aime beaucoup. C'est un truc que j'ai acheté en grosse, grosse quantité pendant les promos beauté. Donc oui, je rachèterai, mais si vous me connaissez, j'en ai encore une tonne à la maison de dentifrice. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'est un après-shampoing de chez Hello Body, le Coco Condi. Franchement, j'aime trop cette marque pour les cheveux. Je trouve qu'ils sont excellents. Je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. J'ai même pas de code promo, j'ai envie de vous dire. Mais ça, oui, je rachèterai. Cherchez bien, il y a toujours des petits codes promo de moins 50, moins 60%. C'est plutôt cool. Et moi, j'aime trop la routine conditionneur, shampoing et masque. Je trouve ça top. Mes cheveux sont trop, trop beaux avec ça. J'ai l'impression de parler à une vitesse ouf. Afin que je me détende. Enfin, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus grand-chose. Mais en tout cas, oui, je vous conseille la marque Hello Body, en tout cas pour les cheveux. Il faudrait peut-être que je teste un petit peu tout ce qui est produit visage. J'ai jamais testé, mais pourquoi pas tester. Ensuite, de la marque Garantia, j'ai terminé la sulfureuse pâte de marabout. C'est tout simplement une pâte nettoyante, matifiante pour les peaux grasses. Elle est excellente. Si vous n'aimez pas tout ce qui est huile essentielle, odeur un peu particulière, n'achetez pas ce produit. Il y a... Moi, j'adore cette odeur, mais peu de personnes peuvent l'aimer. Je trouve que c'est un produit qui nettoie vraiment, vraiment bien. Je pense que ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Ça fait bien, je suis sûre, au moins le 10e ou 15e pot que je finis en 10 ans. C'est pas donné, ça vous fait à peu près, moi, entre 10 utilisations. C'est vraiment pas donné pour 10 utilisations. Mais une petite cure, moi, je fais cette cure à peu près une à deux fois dans l'année. Et ma peau me remercie, je pense, parce qu'elle est hyper lisse. Mes pores sont resserrés, j'ai pas de boutons, j'ai pas de teint terne. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Et pour terminer, j'ai terminé un parfum Nox. Vous savez que je suis en partenariat avec eux. J'aime trop leur parfum. Celui-ci, c'était le 433, ce qui équivaut au 6 de chez Armani. Je vous mets ici un code promo. Je pense qu'il est toujours valable. Il vous donne moins 15%, il me semble. Enfin, je ne sais plus trop, mais je vous mets un petit code promo. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime trop ces parfums. Ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à très, très peu cher. Moins de 15 euros les 30 millilitres, 50 millilitres. 50 ml, moins de 15 euros, il me semble. Et vous avez pour hommes et pour femmes. Je trouve que c'est un joli cadeau à avoir. Moi, j'en ai plusieurs. Et franchement, je les aime trop. Ils tiennent plutôt bien dans la journée. Et le packaging est plutôt sympa. Et il y a une livraison extrêmement rapide.
mais ça sent hyper, hyper bon. Voilà, les produits terminés sont terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez terminé pas mal de petits produits aussi chez vous. Et puis voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça va être un peu de vlog là, samedi et lundi. Et après, on revient sur une quelque chose un peu plus normal, on va dire. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite.